Un couple emblématique sur le point de se reformer dans Demain nous appartient? C'est ce qu'a révélé Ingrid Chauvin au cours d'une interview où elle a annoncé que Chloé allait choisir Alex, son grand amour, et se séparer de Xavier. La magie de Noël va-t-elle opérer sur le couple le plus emblématique de Demain nous appartient? C'est en tout ce que laissent penser les dernières déclarations des Ingrid Chauvin au sujet de Chloé et Alex, qui pourraient bien se retrouver suite à la fin d'une histoire d'amour qui a pourtant rythmé les derniers mois du feuilleton quotidien de TF1. En effet, dans l'épisode de Demain nous appartient qui sera diffusé demain soir sur TF1, Xavier, Charles Lelor, qui n'a pas manqué de remarquer le rapprochement entre sa compagne et son ex-mari, va annoncer à Chloé qu'il souhaite mettre un terme à leur relation. Conscient qu'il est certainement celui qui aime un plus l'autre dans leur couple, et qu'il ne peut pas lutter face au lien très fort qui unit les parents de Judith, Maxime, et Céleste. Évidemment, la décision de Xavier va dans un premier temps surprendre Chloé. Mais cette rupture est peut-être bien le dernier signe du destin qui manquait aux personnages des Ingrid Chauvin et des Alexandre Brasseur pour sceller leur retrouvaille. Elle va choisir. Alex, révèle en effet l'interprète de Chloé Delcourt dans une interview accordée au magazine Téléstar. Il reste le pilier de la famille Delcourt, un amour de plus 20 ans avec des enfants au milieu de tout ça. À chaque fois c'est plus fort que tout. Ils finissent toujours par se retrouver. Mais on nous fait vivre beaucoup de remous parce que le bonheur, à filmer, c'est vite lassant. Et si Chloé ne se battra pas pour sauver son couple avec Xavier, préférant renouer avec le père de ses enfants, Ingrid Chauvin assure que leur séparation se fera dans le respect mutuel. Elle sera respectueuse en tout cas. Chloé réussit à lui parler avec le plus de sincérité possible. C'est difficile pour elle parce qu'elle a quand même des sentiments pour Xavier. Elle a retrouvé avec lui l'insouciance de sa jeunesse, mais Alex, c'est l'homme de sa vie. Les Ross et Rachel de Demain nous appartient devraient donc finir par s'aimer à nouveau prochainement, pour le plus grand bonheur des fans. Mais tout ne sera pas forcément simple pour Chloé et Alex puisque ce dernier devra encore trouver le courage de mettre un terme à sa relation avec Flore, Anne Caillon. Et il pourrait bien attendre que les fêtes soient passées pour se lancer. Mais y parviendra-t-il si facilement? Il y a des choses à gérer, se contente de teaser Ingrid Chauvin lorsque Téléstar l'interroge sur la manière dont les choses vont se faire par rapport à Flore. On n'est pas dans le happy end complet, hein? Bref, si le cœur de Chloé ne va pas tarder à parler et à faire son choix, les retrouvailles officielles des Delcourt en tant que couple, voire en tant que mari et femme, pourraient mettre quelques semaines, voire quelques mois, avant de se concrétiser. Affaire à suivre.